et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, puisqu'encore aujourd'hui, nous allons encore parler de Noël. Noël, 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 cette belle période qui remplit nos cœurs de joie et de bonheur en fin d'année. On est tous, je pense, dans le même état d'esprit et ça fait du bien, surtout dans cette période difficile. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu notre sapin, puisque nous avons enfin fait le sapin. Donc au moment où je vous parle, nous sommes dimanche soir, il est 21h15 je crois, et nous avons fait en fait le sapin samedi matin. Alors, un peu dans la précipitation parce que je voulais absolument qu'on le fasse ce week-end. C'était important pour moi, déjà parce que j'allais l'acheter ce week-end, puisque l'endroit où j'ai acheté le sapin, en fait, faisait une ouverture exceptionnelle un samedi matin. Autrement, c'est les jours de semaine. Sauf qu'avec mes horaires de travail, ben, en fait, je rentre trop tard. Donc, c'était hier matin ou rien. Donc, j'y suis allée samedi matin. J'ai acheté mon sapin. Il était, je crois, 11h. Enfin, non, il était 10h30 quand j'ai acheté le sapin, mais j'avais pas mal de choses à faire. Il fallait que j'aille acheter de la ficelle pour les petites décorations personnalisées avec nos prénoms. Que j'avais acheté, il fallait que j'aille chercher le drive et que j'aille dans le magasin pour aller en fait chercher ce qu'il n'y avait pas dans mon drive. En l'occurrence, je suis contente d'être allée dans le magasin puisque en fait, comme vous le savez, on est en déconfinement partiel, hein, je dirais. Encore une fois, c'est un déconfinement purement économique, hein, on en est tous conscients. Mais quoi qu'il en soit, on est en déconfinement et dans la réalité des choses, les rayons de jouets, de vêtements, etc. ont rouvert dans les supermarchés. Donc quand je suis allée dans le magasin Leclerc pour récupérer, en fait en gros il me manquait du Perrier dans mon drive, et comme convenu avec la diététicienne, j'ai remplacé le coca par du Perrier menthe, du coup il me fallait absolument du Perrier, voilà. Donc je suis allée chercher du Perrier et en fait en entrant dans le magasin, je suis allée voir dans le rayon pour voir un petit peu les jouets en fait dont m'avaient parlé les garçons. Donc je suis allée voir et en fait à ma grande surprise, il n'y avait plus qu'un seul, alors que le rayon avait rouvert du matin, un seul exemplaire du cadeau que Marceau m'avait demandé. Du coup, bah, je l'ai acheté pour être sûre de l'avoir. Après, je pense que voilà, il va y avoir du réassort d'ici Noël, c'est évident. Mais voilà, il n'y a rien qui me dit que la prochaine fois que j'irai chez Leclerc, il y en aura. S'il y a eu du réassort et qu'en fait ça repart tout de suite, et ben au moins, moi je suis couverte. Je l'ai trouvé. Le reste des cadeaux de Noël, en fait, je l'ai fait sur Internet. Donc je ne me sens pas concernée par la cohue dans les magasins. Mais en tout cas, j'ai trouvé le cadeau de Marceau, je l'ai acheté, il est dans le garage, il est recouvert de sacs plastiques parce que je veux pas qu'il voit ce que c'est. Mais voilà, là je parle pas fort parce qu'il dorme juste au-dessus. Mais du coup, ça au moins c'est fait. J'ai aussi acheté ce qu'il fallait en termes de papier cadeau, puisque j'ai déjà une bonne partie des cadeaux hein, qui sont dans le garage. Et puis j'ai mon cadeau de Noël aussi et j'ai aussi le cadeau d'anniversaire d'Adam. Donc tout ça, ça s'est stocké dans le garage pour l'instant, jusqu'au jour où j'emballerai, et je pense que ce sera le 24 décembre, puisque je passe ma soirée seule le 24 décembre, et eh bien je pense que pour me mettre un petit peu dans l'esprit, je ferai cet emballage de cadeaux tranquillement toute seule. Et puis après il y aura peut-être Anaïs avec moi, si c'est le cas je le préparerai avant pour ne pas, enfin pour qu'on puisse profiter vraiment toutes les deux de notre soirée. Mais en tout cas si je suis toute seule, je ferai ça le soir, je préparerai le petit repas du midi, tout ça, je me mettrai vraiment dans l'ambiance avec des petits chants de Noël et tout, histoire de pas trop, enfin je vais pas dire que je serai triste parce que c'est Noël, on peut pas être triste à Noël, mais enfin je dis ça, mais c'est un peu... Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu des proches à la date de Noël et bah forcément, ces personnes-là ne peuvent être que tristes, en fait, puisque ça ravive à chaque fois, chaque année, un souvenir malheureux. Donc si,
Je reviens sur ce que je dis, on peut être triste à Noël. Après, c'est autorisé, hein, on peut être triste quand on veut. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que c'est dommage de passer Noël dans la tristesse. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, j'ai pas perdu de proches à cette période-là. Et c'est toujours, pour l'instant, en tout cas, une période joyeuse. Et même si je suis toute seule ce soir-là, bah, je serai joyeuse quand même. Voilà. Donc, du coup, samedi matin, on a fait le sapin. Donc, évidemment, j'ai filmé avec les enfants. J'avais acheté j'avais acheté des boîtes de chocolat, il en reste, hein, évidemment, vu la quantité. J'avais acheté des chocolats, on s'est fait des petits hot dogs vite fait, comme ça, pour manger un peu sur le pouce, parce que les enfants devaient partir à 13h30, et du coup, il fallait que ce soit fait rapidement. Donc, on a fait le sapin, du coup, samedi matin. Et quand ils sont rentrés ce soir, ils ont fait la décoration de la maison. Alors, il n'y a pas grand-chose de décoré, parce qu'on n'avait pas beaucoup de décoration. Mais j'en ai commandé pas mal, en fait, mais je ne les reçois pas. Donc, j'espère les recevoir en décembre, quand même, qu'on les ait avant Noël. Ça serait quand même chouette, parce que déjà, il manque pas mal de décoration sur le sapin. Et puis, dans la maison aussi, j'aimerais bien mettre un peu plus de choses que ce qu'il n'y a aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisse avec les images de notre Noël. Et j'espère que cette vidéo un peu particulière vous plaira, puisque j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais voilà, je me suis dit, une fois n'est pas coutume, hein. Donc on essaye et puis on verra si ça vous plaît ou pas. Et du coup, moi, je vous dis au revoir maintenant et je vous laisse sur les images de notre décoration. Voilà, enfin, c'est une partie de notre décoration, parce que elle est loin d'être aboutie, mais en tout cas, c'était notre façon à nous de nous mettre un petit peu, de démarrer notre ambiance de Noël. Voilà. Donc, ben, je vous laisse avec ce petit moment de partage. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous.